Merci beaucoup. Donc, d'habitude, pour les séminaires de recherche, évidemment, comme tout le monde, j'utilise des diapositives pour montrer les équations et les schémas. Pour les séminaires de vulgarisation, je fais toujours sans aucun support. Alors là, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai cru comprendre que c'était un public quand même plutôt scientifique, mais non spécialiste. Donc du coup, j'ai quand même fait un support, mais un peu intermédiaire, donc essentiellement sans équations et sans schémas complexes. Alors le titre publicitaire, je crois, c'était « Avant le Big Bang et au-delà de l'univers ». Le titre un tout petit peu plus sérieux, ça serait « Gravitation quantique et multivers », mais ça veut essentiellement dire la même chose. Voilà. Alors, pour aller vers cette gravitation quantique ou vers ces éventuels univers multiples à considérer naturellement avec circonspection, il va falloir assembler un peu les pièces d'un puzzle. Donc je voudrais commencer par présenter les pièces individuellement et ensuite on va essayer de comprendre ce qui peut advenir quand on essaye de les penser conjointement, de gré ou de force, parce qu'il faudra aussi se poser la question de la légitimité de cette conjonction de champs disciplinaires qui sont en partie disjoints. Alors le premier élément fondamental de notre puzzle, c'est ce qu'on appelle la physique quantique. Alors, vous avez peut-être entendu parler en mathématiques d'un théorème très important, qu'on appelle le théorème de Gödel. Et sans entrer dans le détail, c'est une avancée très significative qui a permis de comprendre que, quelque part, la vision naïve des mathématiques, où tous les résultats vrais seraient nécessairement démontrables, devait être déconstruite et remplacée, dans une certaine mesure, par une vision plus modeste. Et on peut dire que la physique quantique, c'est un peu l'équivalent du théorème de Gödel dans le domaine des sciences de la nature, c'est-à-dire que le rêve mécaniciste d'un monde parfaitement déterminé et prédictible s'est effondré au début du XXe siècle avec cette nouvelle vision des choses. Alors, ce qui est représenté ici à droite, c'est la fameuse expérience des fentes d'Young. Donc on a deux trous et on envoie des photons un par un. Et vous voyez que chaque petit point noir sur l'écran, c'est un grain de lumière, un photon qui va toucher l'écran. Donc on voit individuellement les photons, comme s'ils étaient des corpuscules, et pourtant on voit apparaître globalement un schéma de franges d'interférence, comme s'ils étaient une onde. Et donc c'est l'origine de ce qu'on appelle, de façon d'ailleurs un peu inappropriée, la dualité onde-corpuscule. De façon inappropriée parce qu'en physique quantique, l'interprétation est essentielle, et dans les visions contemporaines de type relationnel, on n'a plus besoin d'en appeler à cette ontologie étrange, mais enfin historiquement, c'est ainsi que les choses sont apparues. Alors cette physique quantique, elle est essentiellement révolutionnaire par quatre aspects. D'abord, parce qu'elle nous montre qu'il existe des quanta, c'est-à-dire que les grandeurs fondamentales deviennent discrètes, discontinues. C'est d'ailleurs intéressant philosophiquement parce qu'au quotidien, on a un peu une vision inverse, c'est-à-dire qu'on se dit que le réel est continu et qu'on l'approxime par le discontinu. Par exemple, avec une musique digitalisée, par exemple, avec une photo pixelisée. Donc on se dit, le réel est continu, et moi, numériquement, comme ça, je fais une approximation discrète. Et en réalité, peut-être que le réel est en fait discret, et que c'est la vision continue qui en serait une approximation. Le deuxième point nodal de la physique quantique, c'est le caractère probabiliste. C'est-à-dire qu'on ne peut plus prédire un certain nombre de phénomènes de façon tout à fait déterministe. Il y a du stochastique, il y a de l'aléatoire, il faut renoncer à certaines visées. La superposition, c'est-à-dire la capacité de certaines entités élémentaires à être simultanément dans plusieurs états. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important, parce qu'on va y revenir avec le multivers, qui est de comprendre comment, à partir d'entités qui sont au niveau microscopique, si vous voulez, dans une superposition simultanée d'états apparemment incompatibles, on arrive à un monde macroscopique, celui dans lequel nous vivons, qui ne reflète pas ce phénomène. Donc la question évidemment qui se pose, c'est celle de la transition du microcosme au macrocosme. Et le dernier point fondamental, c'est ce qu'on nomme l'intrication, et qui signifie qu'on peut construire des systèmes quantiques où en fait les particules sont imbriquées les unes dans les autres, et en mesurant l'état d'une particule, il semble que j'influence instantanément sur l'état d'une autre particule qui peut se trouver à une distance arbitrairement grande. Alors évidemment, la solution de ce paradoxe, c'est de renoncer à la localité. C'est-à-dire de dire qu'en réalité, je n'ai pas vraiment deux particules, j'en mesure une, j'influence sur l'autre. J'ai un seul système quantique qui est la réunion de ces deux particules. Mais l'ensemble des points que je voulais noter ici, c'était simplement pour souligner, je dirais, la portée révolutionnaire de cette théorie qui est radicalement quand même en opposition avec tout ce dont nous étions coutumiers à l'issue de deux ou trois siècles de physique classique. Et elle décrit essentiellement très bien le monde de l'infiniment petit. C'est la raison pour laquelle j'ai représenté ici la photographie d'un des détecteurs du grand accélérateur LHC du CERN. Et l'autre ingrédient fondamental, c'est la relativité.
Alors, je vais y passer un peu plus de temps parce que la relativité, on va l'utiliser de façon exhaustive dans ce qui vient. Alors, commençons par la relativité restreinte. Alors, je prends quelques minutes, pas seulement pour vous dire ce qu'elle énonce, mais également pour vous rappeler d'où elle vient. Parce que je crois que c'est ça, n'est-ce pas, qui fait la scientificité d'un savoir. Un savoir, il est scientifique non pas quand il est vrai, il est scientifique quand on sait son origine, quand on est capable d'en retracer l'archéologie, en quelque sorte. Alors, cette relativité, d'abord, elle se fonde sur l'existence de référentiels galiléens. Les référentiels galiléens, c'est tout simplement les systèmes d'axes, hein, X, Y, Z, ça n'a rien de complexe ni de magique, dans lesquels on sait écrire les lois de la physique, dans lesquels, finalement, les objets, quand ils ne sont soumis à aucune force, se déplacent à vitesse constante. Un référentiel galiléen, ça veut dire que dans l'espace, je jette un stylo, eh bien, le stylo continue de se déplacer avec une vitesse rectiligne uniforme. Et tous ces référentiels galiléens sont eux-mêmes en déplacement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, en fait, c'est l'existence de lois. Ça peut paraître trivial, mais encore faut-il le dire. C'est quoi une loi ? C'est un énoncé qui ne dépend précisément pas des référentiels. Parce que si ça dépendait des circonstances, ça serait un phénomène. Ça serait contingent. Ça pourrait ne pas être. Ce qui fait qu'une loi est une loi, c'est que c'est une proposition scientifique sur le monde qui est indépendante, pourrait-on dire, des circonstances locales. Et la troisième hypothèse, eh bien, c'est la finitude de la vitesse de la lumière et des interactions qu'on note C. Alors, il est intéressant de savoir que cette troisième hypothèse, en réalité, n'est pas vraiment une hypothèse. On sait aujourd'hui qu'on peut la démontrer comme une conclusion. Mais pour des raisons pédagogiques et historiques, je préfère la supposer ici comme étant une hypothèse. Et à partir de ça, on va construire une grandeur. Il n'y aura pas beaucoup d'équations hein, dans mes diapositives, en voilà une. Une grandeur qu'on appelle intervalle, S carré. Et cet intervalle, c'est essentiellement le temps au carré moins la distance au carré. Alors pourquoi cette petite chose absolument triviale est-elle en réalité presque magique ? Parce que vous remarquez que quand on s'intéresse à l'émission et à la réception de lumière, bah, l'intervalle est nul. Pourquoi ? Parce que la lumière, elle se déplace à une vitesse qui est C. Donc la vitesse fois le temps, c'est la distance. Donc l'intervalle, c'est la distance au carré moins la distance au carré. Ça fait zéro. Même quand on n'est pas très féru de mathématiques, on comprend qu'un chiffre moins le même chiffre, ça fait zéro. Donc l'intervalle est nul quand je m'intéresse à la propagation de la lumière. Mais il n'est évidemment pas nul quand je m'intéresse aux autres événements du monde physique. Et en fait, il a un sens très clair. C'est que quand l'intervalle est positif, il décrit des événements qui sont susceptibles d'être corrélés les uns avec les autres. C'est-à-dire que le second peut être la conséquence du premier. Alors que quand il est négatif, ça veut dire qu'il décrit des événements qui sont indépendants les uns des autres, qui sont causalement décorrélés. Il est impossible, quand il est négatif, que le second soit la conséquence du premier. Bien. Et alors ? Et alors, la question essentielle, c'est de se demander comment l'intervalle se transforme entre deux référentiels galiléens. J'ai un premier référentiel, celui de l'amphi, j'ai un autre référentiel, celui d'une voiture qui se déplace rue Cuvier, et je me demande quelles différences d'intervalle vont mesurer deux observateurs qui regardent le même monde. Et la réponse est, en fait, l'intervalle forcément ne change pas, parce qu'il pourrait dépendre de la position. Mais non, pourquoi ? Parce que c'est une loi de la physique, et les lois ne dépendent ni du lieu ni du temps. Il pourrait dépendre de l'instant, mais il n'en dépend pas non plus, précisément pour la même raison. Et donc l'intervalle ne peut qu'être invariant, c'est-à-dire que mesuré dans un référentiel ou dans un autre, il a la même valeur. Et je prends le temps d'expliquer ces détails qui paraissent pénibles, parce que vous allez voir qu'on arrive immédiatement, et avec des calculs de niveau... troisième, a quelque chose de remarquable. C'est quoi ? C'est que si l'intervalle est invariant, si j'appelle x et t, le temps et l'espace mesurés pour vous, et que j'appelle x' et t', le temps et l'espace mesurés par moi, qui suis en ce moment en train de marcher par rapport à vous, eh bien on voit immédiatement que ce ne sont pas les mêmes. Moi, dans mon référentiel, je ne bouge pas, donc x' égale 0, et donc l'équation se simplifie en ce qui est écrit en dessous. T égale t' divisé par quelque chose. T, c'est quoi ? C'est le temps pour vous. T', c'est quoi ? C'est le temps pour moi. Et donc, ce que vous voyez avec deux lignes d'algèbre de niveau collège, c'est qu'en fait, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse pour vous et pour moi dès lors que je suis en mouvement. Et donc, j'ai passé ces 5 minutes à expliquer l'origine de ce phénomène qu'on appelle la dilatation du temps et qui est conjoint à un autre phénomène qu'on appelle la contraction des longueurs pour que vous découvriez, si ce n'était pas encore le cas, à quel point il est simple. Si on fait de la physique des particules et qu'on s'intéresse au boson de Higgs et ce genre de choses, c'est très compliqué. Il faut écrire des équations qui sont plus longues que le tableau. Mais quand on s'intéresse à la dilatation du temps, c'est de la physique absolument élémentaire, qui ne repose sur presque rien d'autre que l'existence de lois en réalité.
Et donc vous voyez que ces résultats, qui sont quand même très étranges pour l'intuition dès lors qu'on n'est pas habitué à les manipuler, sont des conséquences presque inévitables des fondements de la physique théorique. Et il y a une conséquence de ça qui est bien connue, c'est E égale mc2. Alors E égale mc2, l'énergie égale la masse, c2 on s'en fiche, c'est une constante dimensionnelle, eh bien c'est une formule qui est révolutionnaire elle aussi, parce qu'elle montre qu'il y a une correspondance entre l'énergie qui est une propriété secondaire et la masse qui est une propriété primaire. L'énergie, c'est quelque chose qui change, alors que la masse, elle est liée à l'être. Donc l'équivalence entre l'énergie et la masse, ça veut dire que je peux transformer du mouvement en existence. C'est exactement ce qu'on fait dans un accélérateur de particules. Ça, c'était le deuxième point dont j'ai besoin. Le troisième, bah, c'est d'aller un peu au-delà quand même, et de généraliser cette relativité. Alors Einstein, finalement, part d'un constat assez trivial et bien connu. Les corps chutent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Donc je viens de casser une craie, j'ai un gros bout, et puis j'ai un petit bout ici qui est à peu près, on va dire, 4 fois moins lourd que le gros. Et comme vous le savez, il touche le sol exactement en même temps. Donc le bout de craie qui est 4 fois plus lourd que le bout de craie léger touche le sol exactement en même temps que le bout de craie léger. C'est bizarre, non? La force est 4 fois plus grande, et pourtant, ils atteignent le sol en même temps. Alors, on peut expliquer ça chez Newton, mais il faut supposer que des masses qui ont une origine très différente, inertielle et gravitationnelle, valent un peu miraculeusement la même chose. Donc Einstein va se dire « Non, 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 c'est trop bizarre cette histoire. » En fait, la meilleure manière de le voir, et c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence, c'est que probablement, la gravité, ce n'est pas une force qui agit sur les craies. En fait, la gravité, c'est un mouvement du référentiel. Imaginez qu'en ce moment, les craies tombent non pas parce que la Terre les attire, mais parce que notre amphi est en train de monter. À ce moment-là, ça serait normal qu'elle tombe pareil. Parce que ça ne serait pas dû à la pesanteur, si vous voulez. Ça serait dû au mouvement du référentiel dans lequel on est. Et évidemment, la craie lourde et la craie légère verraient le même mouvement. Et donc l'hypothèse du principe d'équivalence, c'est de prendre au sérieux cette analogie entre la gravité et un déplacement d'ensemble du référentiel. Mais évidemment, les craies, elles accélèrent quand je les lâche. Donc si je veux expliquer leur chute par un mouvement de l'amphi, il faut que l'amphi accélère lui aussi. Mais si j'accélère, je ne suis plus galiléen. Or, dans le transparent précédent, je vous ai dit que l'intervalle était le même dans tous les référentiels galiléens. Or, maintenant, le référentiel n'est plus galiléen. Donc, l'intervalle n'a plus la même forme. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, l'intervalle que j'avais écrit ici, là, le s carré égale t2 moins x2, en fait, ce n'est rien d'autre que le théorème de Pythagore. C'est le théorème de Pythagore dans l'espace-temps. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que le théorème de Pythagore n'est plus vrai. Et pourquoi ça a une conséquence presque philosophique extrêmement importante? Parce que le théorème de Pythagore, c'est la géométrie. C'est ce qui décrit la géométrie du monde. C'est ce qui vous dit, eh bien, si je me déplace de x comme ça et y comme ça, eh bien, la longueur de l'hypoténuse, c'est racine carrée de x2 plus y2. Je reste au maths de troisième. Hein, d'accord? La longueur de l'hypoténuse, c'est la racine carrée de la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, et ça, ce n'est plus vrai. Pourquoi? Parce qu'on accélère et que donc l'intervalle change de forme. Et vous voyez que cet adage qu'on a tous rencontré, la relativité générale prétend que la Terre n'est plus attirée par la force de Newton, mais que la Terre avance en ligne aussi droite que possible dans l'espace qui est courbé par la présence du Soleil. Maintenant, on comprend l'origine. L'origine n'est pas magique. L'origine, c'est accélération, implique changement d'intervalle, implique le théorème de Pythagore n'est plus vrai, implique la géométrie du monde devient complexe, en l'occurrence, elle devient courbée. Voilà d'où vient la courbure. Alors une fois qu'on a compris que l'espace était courbe, encore faut-il en tirer les conséquences. Qu'est-ce que ça change? Bah, c'est un peu complexe, parce que la physique, c'est la science des comparaisons. Donc je veux comparer une grandeur ici et une grandeur là. Et pour ça, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend un vecteur, par exemple la vitesse, une petite flèche qui est ici, un autre vecteur vitesse qui est là, et puis on les compare. Donc je prends la vitesse qui est là, je la ramène ici, et je compare de combien elle a tourné et de combien elle a grandi ou diminué par rapport à la vitesse initiale. Ça va me donner l'accélération, par exemple. Mais le problème, c'est que dès que l'espace devient courbe, c'est pas si simple. Et c'est ce qui est représenté sur ce schéma. Là, on est sur la Terre, on est au pôle. On prend un petit vecteur, on part du pôle, on descend sur un méridien, ensuite, on se déplace sur un parallèle, on revient au pôle et on a tourné. Donc, vous voyez qu'en espace courbe, si je me déplace comme ça et que je reviens au point de départ, j'ai tourné. Ce qui n'était pas vrai en espace plat. Et donc, construire un outil de comparaison des grandeurs en espace courbe, c'est quelque chose de complexe qui se résout par l'introduction d'un concept mathématique qu'on appelle la dérivée covariante. J'en dis pas plus parce qu'elle n'est pas très utile pour ce qui nous intéresse par la suite. Ce qui est plus intéressant, c'est le deuxième point.
qui est de se dire, soit, mais une fois qu'on a compris que l'espace était courbe et qu'il fallait comparer des grandeurs dans cet espace courbe au prix de l'invention d'une mathématique un peu plus subtile, encore faut-il que je sache quelle est la courbure de l'espace. Là, par exemple, dans la pièce, on est proche de la Terre. Donc on est dans un espace qui est courbe, n'est-ce pas, hein, en tirant les conséquences de ce qu'on vient d'énoncer. Mais comment je peux savoir quelle est la courbure dans cette pièce? Comment je peux calculer de combien l'espace est courbe en ce moment dans l'amphi Esclangon de Jussieu? Ben, il me faut pour ça un outil. Et cet outil, ce sont les fameuses équations d'Einstein. Et les équations d'Einstein, elles sont très belles parce que si elles sont très complexes à utiliser, c'est des équations différentielles non linéaires sur des tenseurs de rang élevé, alors des contractions de tenseurs de rang élevé, en fait elles sont très simples à comprendre dans à la fois leur construction et leur signification physique et presque philosophique. Qu'est-ce que je veux faire dans cette approche? Je veux avoir un objet qui décrit la géométrie du monde. Et cet objet, on n'a pas le choix, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne bien et il s'appelle le tenseur d'Einstein. C'est ce qu'on note G dans mon équation. Et puis je veux un objet qui décrit le contenu du monde. Donc là, typiquement, les gens qui sont dans cette pièce. Nous sommes le contenu du monde. Et cet objet, je le connais, il s'appelle le tenseur énergie-impulsion, et il est écrit T sur mon équation. Et ce que va postuler Einstein, c'est que l'objet qui décrit la géométrie, la courbure, les propriétés morphologiques de l'espace, c'est-à-dire le grand G, et l'objet qui décrit le contenu, nous, les choses, les molécules d'air, tout ce qui se trouve dans le monde, sont proportionnels l'un à l'autre. Et la constante de proportionnalité, 8 pi g sur C4, il va simplement la fixer pour qu'on retrouve la loi de Newton, bien connue, à la limite des champs gravitationnels faibles. Et voilà, on a construit la relativité générale. Alors pourquoi c'est intéressant, et même fascinant? Pour deux raisons. D'abord, il y a un aspect technique. À quoi elles servent, ces équations? Du point de vue purement pragmatique, si vous voulez, c'est des équations qui me permettent de calculer la métrique, c'est-à-dire la courbure dans la pièce. Donc grâce à ça, si je me donne un contenu qui est la Terre, je peux en déduire une géométrie qui est l'espace courbé au voisinage de la Terre. Ça, c'est l'affaire du spécialiste. Mais ça a aussi une signification plus philosophique, plus métaphysique en quelque sorte, qui est peut-être celle que je voudrais expliciter maintenant. Cette dimension plus métaphysique, c'est un lien qui, vous le voyez, est presque organique entre le contenant et le contenu. C'est-à-dire que dans la vieille vision de Newton ou de Kant, l'espace et le temps, c'était des choses données a priori, des formes transcendantales de la sensibilité humaine. Il n'y avait rien à dire sur l'espace et le temps. Ils sont là. Et nous, on est des objets qui se meuvent dans l'espace et le temps. En fait, ce que comprend Einstein ici, c'est que ce n'est pas vrai du tout. En fait, l'espace et le temps sont des objets comme les autres. L'espace et le temps sont eux-mêmes, pourrait-on dire, des structures dynamiques qui sont en évolution. Et ce que me donnent ces équations, ce sont les équations d'évolution de l'espace et du temps. Vous voyez, quand je jette mon morceau de craie, la loi de Newton me dit en ce moment qu'elle va décrire une parabole. Eh bien, les équations d'Einstein, ce sont les équations qui me disent comment évolue l'espace-temps quand je le jette, en quelque sorte. Mais rien que le fait de le dire, c'est révolutionnaire. Parce que dans une vision newtonienne, l'espace, il ne bouge pas. Il est donné, pur, absolu, intangible. Donc, vous voyez que ce que ça signifie, ça, c'est qu'il faut en quelque sorte déconstruire l'idée d'une absoluité du référentiel dans lequel on se trouve. C'est qu'il y a, il n'y a plus de superstructure qui soit absolument figée, fixe, donnée. La vision ontologique du monde qui découle de ça, c'est une vision purement relationnelle. Nous n'habitons pas dans l'espace-temps. Nous sommes en interaction avec l'espace-temps. L'espace-temps est un champ comme les autres. On est fait avec des protons, des électrons, il y a des champs protoniques, des champs électroniques et un champ d'espace-temps, qu'on appelle le champ gravitationnel. C'est la même chose. Il n'y a pas d'espace-temps. Nous habitons dans le champ gravitationnel en étant en interaction avec lui. Le champ gravitationnel me dit comment je tombe et ma présence dicte quelle est la structure du champ gravitationnel. Vous voyez, c'est un jeu subtil de rétroaction entre l'un et l'autre. Accessoirement, la valeur numérique de cette constante, la G sur C4, est extraordinairement petite. Et c'est pour ça qu'au quotidien, on ne le voit pas beaucoup courbe, l'espace-temps. C'est pour ça qu'on apprend encore aux collégiens à l'école le théorème de Pythagore. C'est parce qu'en fait, il est faux. Mais il n'est pas beaucoup faux, parce que l'espace-temps est très peu courbé au voisinage de la Terre. Alors, je vous montre ici une petite simulation de l'émission d'ondes gravitationnelles. Donc, vous savez qu'il y a peu de temps, on a observé
pour la première fois de façon directe, bien que cette façon de dire n'ait pas grand sens, la coalescence de deux trous noirs et les petites vibrations de l'espace qui s'en sont suivies. Alors ça, c'est pas l'observation, hein, évidemment, c'est une simulation numérique, mais ce qu'on a observé, ce sont les petites ondes d'espace, en quelque sorte, qui ont été la résultante de la fusion, ce qu'on appelle la coalescence, de deux trous noirs pesant chacun une dizaine de masses solaires. Et donc ça, c'est vraiment magnifiquement beau, parce que ça signifie que nous sommes en quelque sorte doués d'un nouveau sens. Nous avons maintenant la capacité à voir gravitationnellement le monde qui nous entoure. Bon, j'en ai fini avec les préliminaires. On a donc la physique quantique et la relativité à disposition. Maintenant, passons aux choses sérieuses, il faut les mettre ensemble. Mettre ensemble la physique quantique et la relativité, c'est ce qu'on appelle la gravitation quantique. Ça vous ennuie pas qu'on le fasse à la fin ? Je préférerais beaucoup qu'on fasse... Ouais, mais on le fera à la fin, on aura trois quarts d'heure pour discuter. Et donc, cette gravitation quantique, pourquoi faut-il la chercher ? L'argument qu'on donne généralement, c'est l'argument de l'unification. C'est un mauvais argument, à mon avis. Je crois, mais ça n'engage que moi, que notre histoire métaphysique a été beaucoup trop obsédée par la quête de l'unité, pour des raisons à la fois religieuses et philosophiques. Je ne pense pas qu'il soit absolument indispensable que les lois de la physique soient unifiées. Il se pourrait que, suivant le secteur auquel on s'intéresse, on découvre des lois qui ont une structure très différente. Donc je ne crois pas que le fantasme d'une théorie strictement unifiée et unitaire soit la bonne justification pour la gravité quantique. Je crois que la meilleure justification, c'est la cohérence, qui n'est pas du tout la même chose que la nécessité fantasmée de l'unité. Pourquoi la cohérence ? J'ai réécrit les équations d'Einstein juste à droite, et la partie T que vous voyez ici, c'est le contenu. Mais le contenu, c'est la matière. Et la matière, on sait qu'elle est quantique, sans le moindre doute. Il y a des milliers d'expériences qui vérifient quotidiennement la nature quantique de la matière. Or, T est égal à G, à une constante près. Et donc, si ce qui est à droite est quantique, ce qui est à gauche est aussi quantique. Tout simplement. Je ne peux pas avoir deux grandeurs qui sont égales, avec une partie, la matière, qui est quantique, et une autre partie, l'espace-temps, ou la gravitation, c'est la même chose, qui serait non quantique. C'est impossible. Donc, si vous voulez, le réquisite de quantifier la gravitation, c'est-à-dire d'intégrer le champ gravitationnel dans le paradigme de la science quantique que j'ai décrit rapidement sur la première diapositive, est une nécessité mathématique et non pas un fantasme esthétique d'unité. Puis il y a une deuxième justification sérieuse, ce sont ce qu'on appelle les singularités. Alors les singularités, je donne juste deux équations pour les comprendre. Ce qui est écrit à gauche, là, c'est l'intervalle, c'est-à-dire le théorème de Pythagore, toujours lui, autour d'un trou noir. Et ce que vous remarquez, c'est que quelque part, il y a un terme 1 sur R, où R est la distance par rapport au centre du trou noir. Et comme vous le savez, on reste avec les mathématiques de troisième, quand R se rapproche de 0, 1 sur R se rapproche de l'infini. Et donc ça signifie que le cœur d'un trou noir, ce qu'on appelle la singularité centrale précisément, est en fait une pathologie de la théorie. Parce que les grandeurs mathématiques qui décrivent ce qui se passe en ce lieu-là deviennent infiniment grandes. Cet infini, on a toutes les raisons de croire qu'il n'est pas physique. On parle parfois de pathologie de l'espace-temps, mais vous savez, la physique n'est pas une médecine. L'espace-temps va très bien, il n'a pas besoin d'être soigné. Quand on voit un infini, généralement, ce n'est pas que l'espace-temps est déchiré, c'est que la théorie qu'on utilise pour le décrire ne fonctionne plus. Et ça, on l'a vu plein de fois en physique. Par exemple, un atome, si on le décrit en physique classique, il est instable, il devient singulier, l'électron s'écrase sur le proton d'une fraction de seconde. Mais ce n'est pas le cas en vrai. Nous, on est là, on existe. Et notre corps, il est bien fait d'atomes stables. Pourquoi ça marche ? Parce que la mécanique quantique a permis de stabiliser l'atome et de retirer la singularité. Et donc là, la singularité qu'on voit dans les trous noirs, dans la théorie classique d'Einstein, la relativité générale, on a espoir qu'elle soit résolue par la physique quantique. Exactement comme la singularité de l'atome d'hydrogène a été résolue par la physique quantique. Et le deuxième exemple que je donne, c'est l'évolution de l'univers, parce que les équations d'Einstein prédisent un univers en expansion. Donc attention, vous avez bien compris, maintenant qu'on sait que l'espace est dynamique, on peut intuiter facilement le fait que l'expansion de l'univers, ce n'est pas un déplacement des galaxies dans l'espace, c'est le mouvement de l'espace lui-même. C'est l'espace qui est en train d'enfler. Et les galaxies s'éloignent simplement parce qu'elles sont prisonnières, comme des raisins dans un panettone, de la pâte qui est en train de gonfler. D'accord. Et ce que vous voyez dans l'équation ici, c'est la densité de l'univers en fonction du temps. Et qu'est-ce que vous voyez quand t égale 0, ce qu'on appelle le Big Bang, la densité devient infinie, puisque ρ égale 1 sur t². Donc quand t égale 0, ρ est infini. Encore une singularité.
L'origine de l'univers comme le centre des trous noirs sont des singularités, c'est-à-dire des moments où la théorie ne fonctionne plus, et c'est une autre motivation pour chercher une modélisation en termes de gravitation quantique dont on espère qu'elle permettra d'outrepasser ces difficultés de la théorie classique. Alors, c'est un peu difficile à faire. Pourquoi c'est un peu difficile à faire ? Ben, parce que, alors d'abord, il faut savoir que dès les premiers articles d'Einstein, dès 1916, je crois, Einstein mentionnait la nécessité d'une gravitation quantique. Donc un an après les prémices de la relativité générale, les gens commençaient déjà à se dire « il va falloir quantifier cette théorie ». Donc ce n'est pas une idée récente, elle a plus d'un siècle. Les plus grands esprits de la physique théorique s'y sont attelés, sans succès, ou en tous les cas sans succès consensuel, puisque nous n'avons pas à l'heure actuelle de résultats parfaitement convaincants à ce problème de gravitation quantique. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on échoue depuis plus de 100 ans à faire cette chose qui paraît assez simple ? Alors, je vous donne quelques raisons pas trop techniques. La première raison, c'est le statut du temps. En physique quantique, le temps, c'est le temps usuel. C'est un paramètre extérieur qui s'écoule de façon linéaire et sur lequel je ne peux rien faire. C'est vraiment le temps intuitif en physique quantique. Et ça se voit dans le fait que quand je vais quantifier un système, c'est-à-dire passer d'une description classique à la meilleure description que la description quantique, eh bien, je ne vais rien faire pour le temps. L'espace, je vais le remplacer par un opérateur. C'est une opération mathématique lourde. Mais le temps, je ne vais pas le remplacer par un opérateur. Parce que le temps n'a rien à voir avec l'espace. Mais à contrario, en relativité, le temps et l'espace, c'est la même chose. Ce que m'apprend la théorie d'Einstein, c'est qu'en fait, quand je bouge, je change du temps en espace et de l'espace en temps. Ce que m'apprend la théorie d'Einstein, c'est que précisément, il n'y a aucune différence ontologique, c'est-à-dire quant à l'être fondamental, de l'espace et du temps. Donc vous voyez que dès la structure des deux théories, elles sont incompatibles. Donc ça va être compliqué de les concilier. La deuxième raison que j'évoque, c'est que la physique quantique, elle est totalement non géométrique, alors que la relativité générale, elle est purement géométrique. Donc là aussi, ça laisse sentir que ça ne va pas être simple de les penser simultanément. Et la troisième raison, elle est simplement expérimentale. Pour voir de la gravité quantique, il me faut un super microscope. Pour progresser en science, on a toujours besoin d'observations. On le sait bien, aucune des théories physiques dont on dispose aujourd'hui n'a été inventée ex abstracto à partir d'un postulat général et de calcul. Il y a une infinité de manières mathématiquement cohérentes de décrire le monde qui sont simplement fausses. Donc j'ai besoin d'un guide observationnel ou expérimental. Et ce guide, c'est le microscope géant qu'est l'accélérateur de particules. Et là, je voudrais juste vous rappeler l'ampleur du problème. C'est que l'énergie qui me manque pour voir la gravité quantique, ce n'est pas un facteur 2, ce n'est pas un facteur 10. L'énergie qui me manque, c'est un facteur 10 puissance 15, c'est-à-dire 100 000 milliards. Donc on est extrêmement loin de la résolution qu'il faudrait pour voir la gravité quantique. Autrement dit, à l'heure actuelle, on est aveugle. Pour aller vers ce Graal de la physique, nous n'avons que notre intelligence, ou une intelligence, d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, nous n'avons que notre cerveau, nous n'avons pas encore le guide expérimental qui serait si nécessaire. Pourtant, on a des pistes. Alors ça, c'est la diapositive la plus technique, mais oubliez-la, en fait, je vais dire quelque chose de beaucoup plus simple que ce qui est écrit. Et la piste que je voudrais décrire maintenant, c'est ce qu'on appelle la gravitation quantique à boucle, inventée par Carlo Rovelli, Lis Molin et quelques autres grands physiciens il y a environ 25 ans. La gravitation quantique à boucle, c'est une théorie modeste, qui se dit « je vais essayer d'utiliser ce que je sais faire en physique » et de reproduire pour la gravité ce qui a très bien marché pour l'atome d'hydrogène. Jusque-là, c'est raisonnable, on a envie d'y croire. Mais si on le fait naïvement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que, vous savez, alors là je passe au programme de seconde, on a besoin en mécanique quantique du produit scalaire. C'est-à-dire que quand on a deux vecteurs, on veut projeter un vecteur sur l'autre. C'est comme ça qu'on évalue ce qu'on appelle une amplitude de transition entre un état et un autre. Alors quand les vecteurs, c'est des petites flèches, le produit scalaire, vous vous rappelez, je prends le premier et puis je le pose sur le second, comme ça, en le projetant perpendiculairement. C'est facile, on sait tous le faire, on l'a tous déjà fait quand on était au lycée. Mais si les vecteurs, ce n'est pas des petites flèches, mais que c'est des métriques, c'est-à-dire des tenseurs de rang 2 qui décrivent la structure de l'espace-temps, on ne sait plus écrire un produit scalaire. Et donc on ne sait plus rien calculer, et donc la théorie est stérile. Donc il faut inventer une meilleure manière de décrire la gravité pour pouvoir la quantifier. Et c'est ça le pas technique qui a été franchi en gravité quantique il y a une petite trentaine d'années. Réécrire la gravitation dans un formalisme qui ressemble à la physique des particules, ce qu'on appelle les théories de jauge en physique théorique, de manière à lui appliquer les techniques usuelles, canoniques de quantification. Alors, je ne vous embête pas plus avec les fondements et je vous montre le résultat. Le résultat, c'est que dans cette théorie de gravitation quantique à boucle, eh bien, comme on pouvait s'y attendre, l'espace-temps devient lui-même quantifié.
Donc on appelle ça un réseau de spin en mathématiques, mais intuitivement, imaginez que l'espace devient lui-même constitué de petits atomes d'espace. Donc la structure discrète, discrète au sens discontinu, hein, au sens du physicien, que j'évoquais en introduction, par exemple, pour l'énergie d'un atome d'hydrogène, va venir ici affecter jusqu'à la structure de l'espace lui-même. Et de même que mon corps et le vôtre est fait de petits atomes fondamentaux qui sont insécables, enfin, les atomes eux-mêmes, on le sait, ne sont pas tout à fait insécables, mais en tous les cas, peut-être de quarks, de particules fondamentales insécables, eh bien, il est possible, c'est en tout cas un des enseignements de cette approche, que l'espace lui-même, même vide, hein, que l'espace en tant que tel, indépendamment des molécules qui s'y trouvent ou non, soit constitué de petits atomes fondamentaux qui évoluent de façon partiellement aléatoire suivant les préceptes de la physique quantique. Et j'en viens enfin à ce qui était annoncé dans le titre, je vous ai bien eu, hein. J'ai pu dire plein d'autres choses, ça va changer des choses sur l'origine de l'univers. Quand je vais appliquer cette théorie au cosmos, je vais être conduit à un nouveau scénario. Pourquoi ? Alors, ce qui est sur la gauche de ma diapositive, c'est le scénario usuel. Le scénario usuel, c'est que le monde serait né avec un Big Bang. Le Big Bang à entendre en tant qu'explosion, mais ce n'est même pas vraiment une explosion, c'est une sorte de méta-explosion, parce que c'est un passage du non-être à l'être. Donc, c'est une sorte d'apparition ex nihilo de l'étang à partir de l'absence d'étang. En étant plus prosaïque, l'équation qui est écrite là-haut, h carré égale 8 pi g sur 3 rho, c'est simplement l'évolution de l'univers. H, c'est la vitesse d'expansion de l'univers, la constante, on s'en fiche, et rho, c'est la densité de matière dans l'univers. Donc ce que vous voyez en gros, c'est que la vitesse de l'univers au carré est égale à la densité de l'univers. Quand même une équation assez simple, on sait la résoudre et avec ça on peut calculer l'évolution de l'univers. Mais cette évolution est singulière, c'est-à-dire que quand je remonte dans le passé, il y a un moment où ça s'arrête. Et c'est ce qu'on appelle la naissance de l'univers, le Big Bang, tout diverge, tout devient infini et plus rien ne marche. Dans le cas de la gravitation quantique à boucle que je viens de présenter, on a une autre équation, celle qui est écrite ici sur un fond blanc. Alors elle ressemble un peu à la première, mais elle est un peu plus compliquée. Qu'est-ce que ça change ? Vous allez voir, c'est intuitif, c'est très facile. Ce qu'il y a à gauche, c'est h carré. Comme chacun sait, un nombre réel au carré, c'est forcément positif, n'est-ce pas ? Mais ce qu'il y a à droite là, il y a un 1 moins rho divisé par rho c. Du coup, il faut que ça aussi ce soit positif. Parce qu'un nombre positif, il est forcément égal à un nombre positif. Donc cette grandeur-là, maintenant, doit être positive. Donc ρ, la densité de l'univers, ne peut pas être plus grande que ρc. Parce que vous voyez que si ρ est plus grand que ρc, 1 moins ρ sur ρc devient négatif. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, la densité est bornée supérieurement. Il y a une valeur qu'elle ne peut pas dépasser. Et c'est ça qui va régulariser l'univers. Ça veut dire que quand on remonte dans le temps, l'univers devient de plus en plus dense, comme dans le modèle standard du Big Bang. Mais au bout d'un moment, au lieu de voir la densité croître vers l'infini, la densité va recommencer à décroître et va à nouveau devenir de plus en plus petite. Et en termes parfaitement clairs et intuitifs, c'est ce qui est représenté sur le schéma en bas à droite. Autrement dit, c'est le modèle du Big Bounce, c'est-à-dire du grand rebond. Ce que ça signifie, c'est qu'il y aurait eu dans le passé une phase de contraction de l'univers. Quand on atteint une densité extrêmement élevée, l'univers rebondit. Alors, il ne rebondit pas sur une table, hein, évidemment. Il se rebondit dessus, pourrait-on dire. Hein, comme une balle de tennis qui imploserait comme ça, puis d'un seul coup, elle devient tellement dense qu'elle rebondit, et hop, elle recommence à croître. Et ensuite, donc, l'univers grandit à nouveau, et nous nous trouvons en ce moment quelque part dans cette phase d'expansion du cosmos. Alors, soyons bien clairs, hein, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à la gravité quantique, c'était des choses consensuelles. Je ne dirais pas certaines, on est sûr de rien en physique, mais consensuelles. Ce que je dis à partir de maintenant, ce sont des choses spéculatives. Là, je vous parle de recherches en train de se faire, donc je ne me permettrai pas du tout de vous dire c'est acquis, c'est acté, c'est certain, il y a eu un rebond. J'en sais rien. Je vous présente une théorie raisonnable sur laquelle plusieurs centaines de chercheurs travaillent depuis quelques décennies, mais il est évident qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune certitude en ce sens. Mais mathématiquement, c'est beaucoup plus beau, parce que nous n'avons plus de singularité, donc plus de pathologie, plus de divergence, plus de crash, en quelque sorte, de l'histoire de l'univers, et puis plus cette espèce de problème métaphysique insurmontable de l'apparition ex nihilo de l'espace et du temps. Le système devient régulier. Donc ça, c'était pour répondre à la question du séminaire qui était « Qu'y aurait-il avant le Big Bang ?» Finalement, il n'y aurait pas dans ce cadre vraiment de Big Bang. Le Big Bang serait une illusion et la véritable pseudo-singularité serait un grand rebond où la densité du cosmos serait très grande, mais finie. Voilà ce que propose la gravité quantique à boucle. Alors, est-ce que c'est vrai ?
il faut pour ça calculer des observables. Et c'est exactement, moi, mon travail, d'ailleurs, qui est d'essayer de trouver des indices observationnels de cette éventuelle phase de contraction qui aurait eu lieu avant le Big Bang. Parce que, évidemment, enfin, je l'espère, vous ne me croyez pas sur parole. Là, je vous dis, on a fait des calculs, on a bien travaillé et on pense qu'il y a eu un grand rebond. Mais ça ne suffit jamais, ça. Si on veut y croire, il faut avoir une prédiction claire et la mettre à l'épreuve de nos observations. Alors, par chance, depuis quelques années, on a des satellites extraordinaires qui permettent d'observer ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique fossile, la première lumière de l'univers. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver dans ce rayonnement fossile, un peu comme un paléontologue hein, qui recherche son os de dinosaure, des indices, des traces infimes de ce qui se serait passé avant le grand rebond. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que jusqu'à maintenant, on a échoué, soyons clairs. Mais la bonne nouvelle, c'est que on a espoir quand même de réussir un jour. Parce que si les choses sont difficiles, elles ne sont pas strictement hors de portée. Et à la fois grâce à l'amélioration des techniques de calcul et l'amélioration des moyens expérimentaux, on est quand même en train de converger vers une possibilité assez concrète d'observer, disons à échelle raisonnable, quelques années, quelques décennies au pire, des phénomènes de gravitation quantique. Et ça, c'est nouveau. Moi, quand j'avais votre âge pour les étudiants, on ne l'envisageait même pas. C'était même pas envisageable que la gravité quantique puisse être testée à échéance raisonnable. Il y a une sorte de transition de phase où cette branche de la physique entre maintenant doucement dans le giron de la véritable science observationnelle. Alors, ça a aussi des conséquences intéressantes pour les trous noirs. Ce que j'ai représenté à gauche, c'est la vision d'un trou noir pour quelqu'un qui fait de la gravité quantique. Alors, c'est une espèce de sphère comme ça qui intersecte des espèces de fils. Et les fils, c'est simplement ce qui représente les atomes d'espace. Bon, c'est une image duale, donc ce n'est pas vraiment les plans, c'est ce qui est perpendiculaire au plan, mais peu importe. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en physique classique, il y a un grand mystère qui est de se dire où est-ce que les trous noirs stockent l'information ? On pense que les trous noirs contiennent énormément d'informations. Mais la question est, où est-ce qu'ils la cachent ? Ils n'ont rien à disposition. Un trou noir, c'est de l'espace vide. Hein. Donc, où les trous noirs peuvent-ils mettre l'information qu'ils semblent cacher en eux ? Et la gravité quantique à boucle peut donner un élément de réponse à cette question en se disant qu'en fait, l'information est stockée sur la surface du trou noir. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de se connecter à un certain nombre d'apories de la physique classique. Trou noir d'ailleurs, qui pourrait rebondir exactement comme l'univers, mais c'est une autre histoire que je ne veux pas décrire tout de suite. Alors, cet avant Big Bang, c'est un peu un multivers. Multivers, c'est le néologisme qu'on utilise aujourd'hui pour référer à l'existence possible d'une multitude d'univers. En effet, cet univers qui a eu lieu avant le nôtre, il est presque complètement remis à zéro au moment du rebond. Et d'ailleurs, le rebond est peut-être multiple. Peut-être qu'on doit migrer vers une sorte de vision cyclique, comme ça, du cosmos, à l'instar de certaines cosmogonies anciennes. Et donc, une sorte de succession d'univers qui sont temporellement les uns derrière les autres. Est-il possible qu'il existe encore d'autres structures d'univers multiples ? Alors, c'est une question qui est ancienne, qui est bien plus ancienne que la physique moderne, et on la trouve déjà posée, comme toujours, chez les Grecs, les philosophes grecs, en particulier les atomistes, Démocrite et Épicure, écrivent cosmoi. Cosmoi, en grec ancien, c'est le pluriel de cosmos. C'est-à-dire qu'ils écrivent monde au pluriel, en précisant que les univers sont en nombre infini, comme les atomes. C'est une idée qu'on retrouve indirectement chez Anaximandre, c'est celui qui est présenté. J'ai fait exprès de prendre des visages pas hyper connus pour que ça fasse une petite révision de culture générale. Donc Anaximandre en haut à droite, qui avec le concept d'apeiron, qui est à la fois infini et indéfini, va aussi comme ça pousser du point de vue philosophique cette idée de monde multiple. Alors ensuite, évidemment, pendant toute la période du Moyen-Âge, on oublie complètement tout ça, c'est remise en ordre, on se calme un peu, pour Thomas d'Aquin, l'affaire est entendue, l'unicité du monde découle de l'unicité de Dieu, et poser la question est déjà apocryphe et scandaleux. Mais évidemment, à la Renaissance, on voit à nouveau les idées subversives poindre, en particulier avec Nicolas de Cuse, qui explicitement propose l'existence d'une multitude de mondes, avec Giordano Bruno, très insolent, très génial, qui enjoint son compère Philothéo à enseigner au monde la diversité des univers, avec son frère de cœur François Rabelais, c'est celui de gauche, qui dans la description de l'abbaye de Thélème réfère à des petites gouttelettes comme ça mondaines qui pourraient tomber sur la Thébaïde. Ensuite, à l'âge classique, c'est l'image d'en bas, Leibniz,
qui propose une multitude d'univers qui sont virtuels, donc qui ne sont pas forcément réellement présents, mais qui pourraient exister. Et c'est à partir de ça qu'il fonde le principe de moindre action qui est toujours aujourd'hui utilisé en physique. Au XVIIIe siècle, Fontenelle et son entretien sur la pluralité des mondes comme métaphore d'une certaine forme de relativisme, on va dire, éthique. Et puis en philosophie contemporaine, des gens comme Goodman ou Lewis qui recourent aussi à une multitude d'univers, soit pour répondre à des questions de théorie du langage, très bien formulées hein, d'un point de vue mathématique, c'est pas du tout de la philosophie délirante, ou des questions plutôt liées à des schèmes halétiques, c'est-à-dire relatifs à la vérité. Ce qui est intéressant, c'est que la physique théorique, elle aussi, contribue à cette nébuleuse, pourrait-on dire, de mondes multiples. Pourquoi ? D'abord, grâce à la physique quantique. J'y reviens. J'évoquais en introduction la possible superposition des états quantiques. Alors, l'expérience de pensée, heureusement, elle n'a jamais eu lieu. Je dis heureusement parce que vous allez voir, on va faire mourir un chat. Et moi, je suis très sensible à la cause animale. Mais dans la fameuse expérience de pensée de Schrödinger, eh bien, on a un atome qui est à la fois qui est dans une superposition d'états. Quelque part, il est à la fois désintégré et non désintégré. Et puis, on met un compteur Geiger et on asservit à la détection ou non de la désintégration de l'atome un marteau qui va casser une fiole de poison et qui va tuer le pauvre chat qui est dans la boîte. Et donc, comme l'atome est à la fois désintégré et non désintégré, parce qu'il est quantique, donc dans un état superposé, le chat devrait être à la fois mort et vivant. Or, nous n'avons jamais vu de chat mort-vivant. Donc, il y a quelque chose d'étrange qui fait que les lois du microcosme ne semblent pas s'appliquer au macrocosme. Alors, pour les éventuels spécialistes présents dans la salle, enfin physiciens, on dit souvent que la théorie de la décohérence résout cette question, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. La théorie de la décohérence permet des avancées sur cette question, mais elle n'est pas suffisante pour la résoudre. Donc, je ferme juste la parenthèse parce que c'est une objection qu'on me fait très souvent. Non, oui, mais ça, c'est un truc d'il y a 100 ans, grâce à la décohérence, il n'y a plus de problème. La décohérence, ça diagonalise la matrice densité, mais ça ne permet pas de comprendre comment on arrive quand même à un état unique. Je ferme la parenthèse. Alors, cette idée quantique, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Et Hugh Everett, qui est un physicien de Princeton, l'a interprété en termes de ce qu'on appelle des mondes multiples. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est que la raison pour laquelle on ne voit pas un chat mort-vivant, c'est simplement parce que le chat est mort dans un univers et vivant dans un autre univers. Donc là, j'ai repiqué à Max Tegmark ce petit cartoon, où on voit deux personnes qui se rencontrent, et comme nos processus cérébraux sont certainement à un certain niveau d'origine quantique, eh bien il y a en fait un monde où ils fondent une famille et un monde où ils ne se revoient plus. Et en fait, ce n'est pas simplement une question de probabilité que ça arrive, c'est qu'en fait tout ce qui est possible a effectivement lieu, mais n'a pas lieu dans la même réalité. Alors on a envie de se dire, c'est sympa, mais enfin c'est complètement délirant quand même cette histoire. Alors d'abord, du point de vue mathématique, c'est pas délirant du tout, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en termes d'économie conceptuelle, l'interprétation monde multiple demande des hypothèses beaucoup moins lourdes que la vision, disons, de l'école de Copenhague, qui est celle qu'on apprend à l'école en physique quantique et qui semble, à première vue, dirais-je, plus simple. Et ensuite, on a longtemps cru que c'était absolument intestable. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est intesté. Ça, c'est tout à fait exact. Mais ce n'est pas forcément totalement intestable en principe. J'ai écrit un petit article il y a quelques années là-dessus. Alors j'essaie d'expliquer l'argument de façon hyper schématique. Imaginez que l'univers, qui était quantique au moins dans ses premiers instants probablement, puisse évoluer vers deux états, l'état A et l'état B. D'accord ? Imaginez que l'état A soit très peu probable, j'ai écrit une chance sur un million, et l'état B soit très probable, 99 999 chances sur un million. Ok ? Imaginez que l'état A contiennent 10 puissance 12, c'est-à-dire, c'est quoi 10 puissance 12 ? C'est-à-dire 1000 milliards d'observateurs, et que l'état B contienne juste un observateur. C'est possible. Et maintenant, on se demande qu'est-ce qu'on doit observer ? Dans l'interprétation normale de la mécanique quantique, de façon usuelle, avec un seul monde, je me fiche complètement du nombre d'observateurs. L'état A est très improbable, l'état B est très probable, donc la théorie prédit que suivant toute vraisemblance, le monde doit être dans l'état B. Et c'est tout. Mais maintenant, dans l'interprétation d'Everett, c'est différent. Parce que dans l'interprétation d'Everett, les probabilités, ce n'est pas des probabilités abstraites. Ça veut dire qu'il y a pour de vrai un univers qui est dans l'état A et qu'il y a pour de vrai un million d'univers qui sont dans l'état B. Sauf que dans l'état A, d'accord, j'ai un seul monde. Ce monde, il a 1000 milliards d'observateurs. Et dans l'état B, j'ai un million de mondes et chaque monde contient un seul observateur. Donc au total, j'ai qu'un million d'observateurs dans l'état B, mais j'en ai 1000 milliards dans l'état A. Donc si je prends un observateur au hasard, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir l'observateur dans l'état A que dans l'état B. Donc, bien que j'ai la même théorie quantique, suivant que je l'interprète
en termes usuels ou en termes mondes multiples. Dans un cas, je prédis qu'on doit voir l'état B, c'est le cas usuel, parce que peu importe les observateurs. Et dans l'autre cas, qui est le cas Everett, je prédis qu'on doit voir l'état A. Donc vous voyez que ce n'est pas absolument impossible de mettre à l'épreuve ce genre d'idée. Deuxième exemple de multivers scientifique, celui de la relativité générale. En quoi la théorie d'Einstein a-t-elle un lien avec les univers multiples ? Tout simplement parce que ce qu'on appelle l'univers en physique, ce n'est pas la totalité de ce qui existe, ce n'est pas le universus latin. Évidemment, si univers c'est la totalité de ce qui est, le concept même d'univers multiple est une contradiction dans les termes. Mais ce qu'on appelle l'univers en physique, ce n'est pas ça. C'est la totalité de ce qui peut interagir avec moi. Donc c'est ce qu'on appelle une sphère de Hubble, ce qui est représenté en rouge sur ce dessin. Donc le concept d'univers en cosmologie, si vous voulez, ce n'est pas tout l'espace. C'est toute la partie de l'espace qui peut avoir une interaction avec la Terre. Ce qui est au-delà de ça, de toute façon, c'est décorrélé de moi. Je ne l'ai jamais vu, je ne le verrai jamais. Ça ne fait pas partie de mon univers au sens scientifique. Et ce que dit la relativité, c'est qu'il est possible que l'espace soit infiniment grand. Je dis bien possible. Mais si l'espace est infiniment grand, alors les univers en ce sens sont eux-mêmes infiniment nombreux. Parce que dans un espace infini, je peux mettre une infinité de petits cercles de taille finie. Et donc là, j'ai encore une structure de multivers. Et ça, c'est très consensuel. Parce que personne ne croit en physique que l'univers s'arrête au bord de l'univers visible. De même que la vigie qui est en haut du mât de son bateau sait très bien qu'elle ne peut pas voir la totalité de l'océan, parce que la Terre est ronde, mais elle sait très bien que la mer ne s'arrête pas là où elle s'arrête de voir. C'est un effet d'horizon qui est lié à la position de l'observateur. De même, la position de la fin de l'univers visible, c'est un effet d'horizon. Et tout le monde sait que l'univers réel, l'espace, ne s'arrête pas, évidemment, à l'horizon. Et donc, si l'espace est très grand, voire infini, j'ai forcément, en ce sens-là, une multitude d'univers. Et ça change des choses. Parce que si l'espace devient infiniment grand, tout doit se répéter une infinité de fois, et il se pourrait que les conditions particulières dans lesquelles nous nous trouvons soient en fait non pas une propriété générique de l'espace, mais une propriété de ce que la partie spécifique de l'espace dans laquelle nous nous trouvons est simplement hospitalière, parce que nous nous y trouvons. On ne se trouve pas n'importe où, évidemment. On se trouve dans un lieu qui est compatible, comme le savent les biologistes, avec notre propre existence. Toujours exemple de multivers lié à la relativité générale. C'est quoi la taille d'un trou noir ? Vu de l'extérieur, si c'est un trou noir stellaire, c'est petit, hein, c'est quelques kilomètres. Bon, pas de quoi en faire un univers. Oui, mais la taille intérieure d'un trou noir, elle croît avec le temps. Dans cette équation-là, le terme V qui est à droite, en fait, vous pouvez le penser comme étant le temps. Ça croît linéairement avec le temps. Ça veut dire que si vous attendez suffisamment, à l'intérieur d'un trou noir, vous pouvez avoir un volume immense. Même si la taille extérieure, c'est 3 kilomètres, la taille à l'intérieur, ça peut être plus grand que l'univers observable. Oui, je sais, c'est un peu contre-intuitif, mais la relativité est une théorie très riche de surprises. Et donc, vous voyez que cette vieille idée suivant laquelle les trous noirs pourraient être en quelque sorte des pouponnières d'univers n'est pas absolument absurde du point de vue, pourrait-on dire, de l'espace disponible. Toujours avec les trous noirs, je représente ici ce qu'on appelle le diagramme d'espace-temps de l'intérieur d'un trou noir en rotation, un trou noir de Kerr. Alors, c'est un peu compliqué, donc on va faire la version simple. Il y a écrit « universe » quelque part. Le petit losange, là, c'est chez nous. Le point en bas, c'est le passé. Le point en haut, c'est le futur. Le point à droite, c'est l'infini spatial. Puis, il y a une ligne horizontale qui s'appelle « horizon ». Ça, c'est la limite du trou noir. Et la ligne bleue, c'est le mouvement d'une particule. Vous voyez que la particule, elle rentre dans le trou noir. Après, elle passe dans ce qu'on appelle un « wormhole », donc un trou de verre. Après, dans un trou blanc. Et après, elle arrive dans un nouvel univers. Alors, est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Il est tout à fait possible que ce qui est représenté ici soit un artefact mathématique. C'est tout, à mon avis, c'est même probable d'ailleurs. Mais il n'empêche que la structure mathématique de l'espace-temps à l'intérieur d'un trou noir de Kerr, c'est-à-dire un trou noir réel, un trou noir en rotation, n'est pas incompatible, on va le dire comme ça pour rester tout à fait modeste et pas trop s'emballer sur ces visions que je trouve fascinantes, n'est pas incompatible avec une structure de type multivers où il y a des univers d'ailleurs à gravité attractive et des univers à gravité répulsive. J'en viens à quelque chose de plus moderne, le multivers lié à l'inflation. Alors c'est quoi l'inflation ? Donc j'ai réécrit en haut l'équation qui est l'équation d'évolution de l'univers. C'est simplement l'application des équations d'Einstein, vous vous rappelez, celle qui explique comment le contenu est lié au contenant, mais j'applique ces équations-là à l'univers lui-même. En fait, c'est assez simple parce que comme l'univers est un système très symétrique, il est essentiellement homogène et isotrope, c'est beaucoup plus facile d'appliquer les équations d'Einstein à l'univers qu'à une souris.
parce que l'univers est beaucoup plus symétrique qu'une souris. Donc on sait le faire, et ce qu'on écrit là, eh bien, c'est l'évolution de l'univers. Donc R, c'est la taille de l'univers, si vous voulez, et puis il y a un certain nombre de termes. Rho, c'est la densité, et K, c'est la courbure. Prenez un univers qui n'a pas de courbure. K égale 0, vous oubliez le terme à droite, qui n'a rien dedans. Rho égale 0, vous oubliez le terme à gauche. Il vous reste R point, c'est la dérivée de R. R point sur R au carré égale un tiers de lambda. Autrement dit, la dérivée est égale à la fonction, une constante près. Je passe au programme de terminal. Quelle est la seule fonction qui est égale à cette dérivée? C'est l'exponentielle. Et donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que la taille de l'univers croît exponentiellement. C'est juste ça, l'inflation. C'est l'augmentation exponentielle de la taille de l'univers lorsqu'il est dominé par ce terme qu'on appelle la constante cosmologique. Ça, on a toutes les raisons de croire que ça a vraiment eu lieu juste après le Big Bang, ou le Big Bounce, peu importe, parce qu'on peut calculer ce que ça implique, et c'est exactement compatible avec ce qu'on voit. Donc on a, je dirais, dans le modèle standard de la cosmologie, tel qu'on l'apprend aux étudiants en master, l'inflation maintenant est quelque chose qui est presque acté. Voilà. En tous les cas, il y a un large consensus de la communauté des cosmologistes en faveur de l'existence réelle de cette augmentation considérable de l'univers dans les premiers instants. Je vous explique le rapport avec le multivers. Le rapport, c'est en fait ce qui est représenté sur l'image ici. L'image ici, qui est purement une vision caricaturale, bien sûr, c'est que l'inflation semble fonctionner de façon arborescente. C'est-à-dire qu'en fait, l'inflation ne s'arrête jamais. Elle peut s'arrêter quelque part. Nous, par exemple, en ce moment, là, dans notre univers, il n'y a pas d'inflation. Heureusement, hein, parce que quand il y a inflation, il ne se passe plus rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planète, il n'y a pas de chimie, enfin c'est très très chiant le monde de l'inflation. Mais quand elle s'arrête quelque part, elle ne s'arrête jamais partout. Et c'est très facile à comprendre. C'est parce qu'en gros, vous avez une chance sur deux. Soit vous continuez à inflater, soit vous vous arrêtez. Mais les endroits où ça inflate, par définition, ils croissent exponentiellement. Donc vous avez toujours exponentiellement plus d'endroits où ça inflate que d'endroits où ça n'inflate pas, parce que l'inflation se produit elle-même, si vous voulez. Donc, par un argument trivial, on peut se convaincre que l'inflation est presque automatiquement une inflation éternelle, et donc va générer une structure de multivers. Qu'est-ce qu'il y a dans les bulles? Là encore, on ne sait pas. Mais on peut essayer de recourir à des descriptions théoriques spéculatives, mais sérieuses, et en particulier à la théorie des cordes. Alors, la théorie des cordes, c'est un autre modèle qui est alternatif à la gravitation quantique à boucle que j'ai proposé tout à l'heure, qui est encore plus développé, qui suscite un intérêt encore plus vaste au niveau de la communauté internationale, et qui, là, est non seulement une théorie de gravité quantique, et en plus une théorie d'unification. Alors vous savez, l'idée en quelques phrases, c'est que les particules élémentaires ne seraient pas ponctuelles, ce seraient des petites cordes qui vibrent, c'est ce qui est représenté en haut à droite, et suivant la manière dont vibrent les cordes, eh bien vous avez un électron, un proton, un quark, enfin, proton étant lui-même fait de quark d'ailleurs, mais vous avez les différentes particules élémentaires qui apparaissent comme résultant des différents modes de vibration des cordes fondamentales, un peu comme une corde de violon, qui suivant la manière dont elle vibre, peut générer toutes les notes de la gamme chromatique. Ça, c'est l'idée de base de la théorie des cordes. Le problème, c'est que ça ne marche bien que si le monde a beaucoup plus de dimensions que ce qu'on observe. Donc il faut un monde avec typiquement 10 dimensions. Or, vous et moi, normalement, alors venez me voir à la fin, mais on vit dans un monde à 4 dimensions. 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Et donc ces dimensions supplémentaires, il faut les recroqueviller sur elles-mêmes. On appelle ça une compactification en maths. Et c'est ce qui est représenté ici, ce qu'on appelle des espaces de Calabi-Yau, qui décrivent les manières de recourber les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes. Et ça, il y a un très 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 grand nombre de manières différentes de le faire. Et ça va donc engendrer un très grand nombre de lois physiques émergentes différentes. Et là, vous voyez apparaître un multivers qui est vraiment abyssal. Parce que si on pense que l'inflation crée des bulles, comme représenté ici, et que chaque bulle est structurée par des lois physiques différentes, pas seulement des phénomènes, mais même des lois physiques différentes, on voit apparaître en quelque sorte une métastrate de diversité. Un peu comme en biologie, on parle d'un paysage, d'accord ? Ben là, vous auriez un paysage de lois où, suivant la bulle d'univers dans laquelle vous vous trouvez, les constantes fondamentales de la physique, par exemple, ne seraient pas les mêmes. Bien. Est-ce que c'est vrai ? J'utilise mes 5 dernières minutes pour être un peu plus philosophe sur ces questions. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que ça change? Je commence par la partie la plus simple. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses, cette vision du multivers. Par exemple, prenons une question très simple. Comment se fait-il que les lois de la physique soient si bien adaptées à l'existence de la vie? Ou disons à l'existence de la complexité?
Ce n'est pas une question stupide, hein, parce qu'on a plein de constantes fondamentales en physique. Si on change un peu leurs valeurs, on peut calculer que très probablement le monde serait sans aucun intérêt, sans chimie, sans système complexe. Ça serait un monde morne, uniforme, sans aucun phénomène attrayant. Alors peut-être qu'on a eu beaucoup de chance. Dans le coup de dé initial, on est pile tombé sur la bonne combinaison parmi les milliards de milliards de milliards de milliards d'autres possibles. Peut-être, enfin c'est assez peu convaincant. Peut-être que Dieu a voulu que nous existions. Ça, c'est possible aussi, mais ce n'est pas une explication scientifique. Et peut-être simplement que nous vivons dans un multivers. Dans le multivers, tout s'arrange. Pourquoi ? Parce que vous avez une infinité d'univers avec des lois différentes. Et donc, c'est tout à fait normal que quelques-uns de ces univers aient des lois adaptées à la vie. Et comme nous sommes des entités vivantes, bah, évidemment, on se trouve dans la partie du multivers qui est compatible avec la vie. Et pour le dire autrement, si vous jouez une fois au loto, vous êtes presque sûr de perdre. Mais si vous jouez une infinité de fois au loto, c'est tout à fait normal que de temps en temps vous gagnez. Et donc il ne serait pas étonnant qu'il y ait des univers compatibles avec la complexité, et ça serait, pourrait-on dire, une nouvelle blessure narcissique, et notre monde ne serait qu'un parmi une infinité d'autres. Ensuite, ça change des choses au niveau de l'évaluation des théories. C'est très concret, si vous voulez. Vous avez un modèle cosmologique, vous voulez le mettre à l'épreuve des observations, même dans notre univers à nous, hein, parce que les autres, évidemment, on ne peut pas les voir. Et vous vous demandez, alors, est-ce qu'il est confirmé ou est-ce qu'il est infirmé par les observations ? Et le fait de tenir compte du multivers peut inverser votre conclusion. Donc, penser dans le cadre du multivers, ce n'est pas seulement un fantasme, c'est aussi quelque chose qui peut infléchir vos conclusions scientifiques. Donc ça a vraiment des conséquences. Et puis ensuite, bon, j'ai appelé ça le grand récit, quand bien même ça n'aura pas de conséquences directes sur les calculs, enfin ça change quand même notre représentation globale du monde, et ça je trouve que ça ne vaut pas rien. La partie difficile de la question, c'est, est-ce que c'est vrai ? Alors, d'abord, la science, c'est pas le vrai. Ça, j'y tiens, et peut-être vous serez pas d'accord avec moi, on pourra en débattre, j'en serais ravi. En fait, rien n'est moins vrai que la science, quelque part. Évidemment, sortie de son contexte, cette phrase pourrait être tournée contre moi, mais là, on est entre nous, c'est pas comme si c'était filmé. Et donc, ce que je veux dire, c'est pas que la science ment, et évidemment que la bonne science ne ment pas, ça on le sait bien, mais ce que je veux dire, c'est que précisément en science, on sait que toute théorie sera un jour remplacée par une meilleure théorie, et que par conséquent, on ne vise pas les vérités éternelles, on vise simplement la meilleure description possible à un moment donné de l'histoire des idées. L'acceptation de la finitude fait partie de la règle du jeu scientifique. Donc le multivers n'est ni plus ni moins vrai que n'importe quelle autre idée scientifique, il est certainement faux, au sens de la vérité absolue. La question n'est pas de savoir s'il est vrai ou s'il est faux, la question est de savoir, est-ce la meilleure description à un moment donné, sachant ce que nous savons. Et là, je voudrais revenir un instant sur la vision popérienne, que j'aime pas du tout par ailleurs, mais qui est une approximation, qui consiste à dire une théorie est scientifique quand elle est falsifiable, c'est-à-dire quand on peut la mettre en défaut. Alors à première vue, naïvement, on pourrait se dire, bah, je ne peux pas aller les voir ces autres univers, parce que je ne peux pas y accéder, par définition. Donc, je ne peux pas infirmer la théorie, donc la théorie n'est pas scientifique. C'est une vision métaphysique, c'est sympa, c'est mignon, mais ce n'est pas de la science. Mais ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que, certes, je ne peux pas aller voir ces autres univers, mais ce n'est pas le multivers que je teste, c'est la théorie qui le prédit. Or, la théorie qu'il prédit, c'est quoi ? Je vous ai parlé de physique quantique, de relativité générale, de théorie des cordes, d'inflation, toutes ces choses-là ont des conséquences dans notre monde. Toutes ces théories peuvent être testées, plus ou moins facilement, dans notre monde. Et donc, soit j'infirme la théorie et j'exclus toutes ses conséquences, y compris le multivers, soit je corrobore la théorie et je dois garder toutes ses conséquences, y compris le multivers. Donc, il n'y a aucun changement méthodologique radical. Si vous voulez, il n'a jamais été nécessaire de vérifier toutes les conséquences d'une théorie pour que celle-ci soit scientifique. Je ne veux pas tester la relativité générale dans les trous noirs. Alors si je la teste, je ne pourrais pas revenir pour dire ce que j'ai vu. Donc concrètement, je ne peux pas. Et personne ne doute que la relativité générale est une théorie scientifique. Donc une théorie qui prédit un multivers n'est pas non scientifique parce qu'elle prédit des choses invérifiables. Toutes les théories prédisent des choses invérifiables. Ce n'est pas une bonne objection épistémologique. Alors je crois que, en fait, si vous voulez, ça veut simplement dire qu'on voit qu'une partie de l'échantillon. Alors évidemment, on verrait 10 000 univers, ça serait mieux pour tester la théorie qu'en en voyant qu'un. Bon, on n'en voit qu'un. Ça veut simplement dire qu'on est pauvre en échantillons. Mais être pauvre en échantillons, ce n'est pas une mutation radicale au niveau fondamental. C'est simplement une difficulté concrète au niveau de l'évaluation statistique de la théorie. Ce n'est qu'une, à mon sens, qu'un mouvement à la marge et pas une révolution drastique dans la manière de procéder à la science.
Et je crois que ça s'inscrit dans ce mouvement de déconstruction de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'on a vu le monde centré sur la Terre, sur le système solaire, sur la galaxie, sur l'univers, et on est en train de se dire, peut-être, en fait, n'y a-t-il simplement pas de centre du tout. Donc, de mauvais exégètes du multivers ont cru y voir un retour à l'anthropocentrisme. En fait, c'est exactement l'inverse. Hein. C'est le prolongement de ce geste de déconstruction de la vision centrale, d'abord de l'homme, etc., jusqu'à la vision centrale du cosmos tel qu'il nous apparaît. Finalement, c'est un peu comme si on était un poisson et qu'on se dit « mais quand même, c'est extraordinaire que l'univers soit fait d'eau, quoi. Moi, j'ai besoin d'eau et l'univers est fait d'eau. Ben, » non, l'univers n'est pas fait d'eau, mais en tant que poisson, il ne peut être que dans l'eau. De la même manière, on se dit « c'est quand même extraordinaire que l'univers ait des constantes physiques qui nous plaisent. » Non, c'est simplement que l'univers peut être à plein de constantes physiques différentes et nous, ben, on est forcément dans une partie de l'univers où les constantes physiques permettent notre existence. Quand bien même il y aurait une évolution de la manière de faire de la science avec le multivers, ce qui n'est pas le cas à mon avis, je ne suis pas sûr qu'il faudrait s'en offenser ou s'en offusquer a priori. Après tout, tous les champs disciplinaires se transforment, hein, ni le concerto à la mémoire d'un ange de Berg, le carré de Malevitch n'aurait été considéré comme de l'art par un théoricien de la Renaissance. La science est un phénomène dynamique, quand bien même les règles du jeu changeraient un peu. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas disqualifier cela a priori. Trouver les règles fait partie du jeu en science. Je conclus simplement en disant qu'à mon sens, cette question du multivers devrait être l'occasion d'un débat philosophique serein, dont je suis un peu frustré de l'inexistence, parce que j'ai constaté, chez les gens qui s'intéressent à la question, une grande crispation, en fait. On est pour ou on est contre. Ça, c'est très dans l'air du temps. Je trouve ça extrêmement agaçant, parce que, en fait, c'est justement un lieu de pensée où il faudrait être subtil. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des avantages, des inconvénients, des risques et aussi des beautés. Et voilà, j'aimerais nous inviter à considérer ça non seulement comme une proposition sur le monde, mais aussi comme une manière de s'interroger sur ce que dit ou de ce que peut dire la physique sur le monde. Je vous remercie. D'accord. Alors, je reprends les questions rapidement. La première, sur la nature du temps, et la deuxième, c'est sur la structure interne des trous noirs. Alors, évidemment, les deux questions sont abyssales, donc je vais essayer de faire version courte. Donc, sur la première, je suis d'accord avec vous. En fait, on ne sait pas bien ce que c'est que le temps. Et c'est clair que, à mon avis, c'est même le concept physique le moins clair de tout ce qu'on a en physique. Alors, je peux vous donner ce qui est, à mon avis, mais c'est absolument pas forcément consensuel, la meilleure manière de l'appréhender en ce moment. Bon, depuis très longtemps, ça c'est pas nouveau, ça fait depuis les débuts de la thermodynamique, il y a eu cette idée que le temps était peut-être lié à l'entropie parce que ce sont deux grandeurs qui ne peuvent essentiellement que varier dans la même direction. Bon, ça c'était comme ça une sorte d'analogie qui plaisait bien, mais c'était relativement anodin. Je trouve que depuis quelques années, Carlo Rovelli a développé une interprétation extrêmement intéressante qui consiste à dire que finalement, l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas physiciens, du désordre, pour le dire simplement, des systèmes, qui est une des lois très fondamentales de la physique, n'est pas en réalité quelque chose d'objectif. L'augmentation de l'entropie est quelque chose qui est lié à un choix de coarse graining, donc de moyennage, de variables microscopiques qui font émerger des variables macroscopiques d'un certain type. Et en fait, quand on dit que l'entropie d'un système augmente, ça peut être vrai pour certaines variables macroscopiques et rigoureusement faux, elle peut même diminuer pour d'autres variables macroscopiques, ou être constante pour d'autres variables macroscopiques. Mais en fait, dans cette vision-là, les systèmes vivants, on va dire, seraient finalement ceux qui se couplent au reste du monde par un certain type de variables, qui sont ceux qui vont maximiser l'augmentation de l'entropie et donc qui vont voir en réalité un écoulement du temps. Donc dans cette façon de voir, le temps stricto sensu au niveau fondamental n'existe pas. On vit vraiment dans un espace quadridimensionnel pseudo-euclidien avec tout ce qu'on sait dans la transformation de Lorentz où finalement on fait une rotation dans l'espace-temps. Mais certains types de systèmes, qu'on va appeler essentiellement les systèmes vivants, donc c'est une définition non pas biologique, mais une définition physique de la vie, seraient ceux qui se couplent avec le monde extérieur par un certain type de variables macroscopiques, qui ne sont pas du tout génériques, qui sont spécifiques, et qui font qu'ils voient une augmentation maximale de l'entropie du monde qui les entoure. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on est vivant, finalement? C'est qu'on a une mémoire. C'est qu'on a une origine à la fois psychologique et génétique. Et c'est absolument fondamental au fait qu'on est vivant, le fait qu'on voit un temps orienté. Et l'orientation du temps ne serait pas une propriété intrinsèque de l'univers, mais serait une conséquence d'un certain type de couplage entre systèmes. Bon, c'est spéculatif, mais c'est ce qui me semble le plus intéressant.
Je reprends la question pour la vidéo. Donc, vous demandez si le fait que la vitesse d'expansion de l'univers soit actuellement en train de croître n'est pas incompatible avec la vision cyclique. Alors d'abord, en effet, vous avez raison, c'est-à-dire que je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais on a découvert il y a une quinzaine d'années que l'expansion de l'univers était accélérée. Donc ça a été une grande surprise, parce que la gravitation étant plutôt une force de freinage, on s'attendait à ce que l'univers grandisse de moins en moins vite. Et à la surprise générale, on s'est rendu compte, grâce à l'étude de supernovae, donc d'étoiles qui explosent, qu'en réalité, l'univers grandit de plus en plus vite. Donc ça, ça a été une surprise. Et vous avez parfaitement raison, si l'univers grandit de plus en plus vite, il n'y a aucune chance qu'il se recontracte dans le futur et que donc on ait à nouveau un rebond. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que dit la théorie de la gravitation quantique à boucle, et d'autres d'ailleurs, théorie de rebond, c'est que si l'univers se recontracte, il n'y aura pas de singularité, il n'y aura pas de big crunch, il y aura juste un nouveau rebond. Mais la théorie ne dit pas s'il va se contracter ou ne pas se recontracter. Ça, c'est le contenu qui en décide. Et si je reprends l'exemple de la théorie d'Einstein, dans la théorie d'Einstein aussi, on peut avoir soit expansion infinie, soit recontraction. Les deux sont tout à fait compatibles avec la théorie d'Einstein. Ce qui va décider de expansion infinie ou recontraction, ce n'est pas la théorie, c'est ce qu'il y a dans l'univers. Si vous mettez 10 fois plus d'étoiles, eh bien, il y a recontraction. Si vous mettez 10 fois moins d'étoiles, il y a expansion infinie. Donc ça, ce n'est pas la théorie qui le dit. C'est le contenu contingent de ce qu'il y a dans le monde. Et c'est exactement pareil en gravitation quantique. Ce que dit la gravitation quantique, c'est si on se recontracte, il y aura un nouveau rebond, mais elle ne dit pas si on se recontracte. Et vous avez raison, les observations actuelles plaide en faveur d'une non-recontraction dans le futur. En effet. Donc il n'y aurait eu qu'un seul rebond. Mais ça n'invalide pas du tout le modèle, en fait. C'est plutôt d'avoir une infinité de... Mais vous savez, on est tellement biaisé cognitivement par ce qu'on connaît. Tout le monde, je parie que dans cette salle, 99% des gens préféreraient qu'il y ait eu plein de rebonds. Mais oui, parce qu'on est habitué aux saisons, quoi. C'est l'alternance jour-nuit, c'est la... Donc, et je vous raconte une histoire amusante. Quand le Big Bang a été inventé, donc typiquement il y a un peu moins d'un siècle, les gens disaient « mais c'est pas possible que l'univers n'ait pas toujours existé, que l'espace n'ait pas toujours existé, ça n'a aucun sens ». Le temps a passé. Et moi, quand je dis maintenant à mes étudiants, vous savez qu'en fait il y a peut-être eu un rebond et que peut-être l'univers a toujours existé, ils disent « mais c'est pas possible que l'univers n'ait pas eu un début ». Vous voyez, ce qui nous étonne en fait, c'est simplement ce à quoi nous ne sommes pas habitués, quoi. Est-ce que la complexité est réversible? Donc peut-être, ça me donne l'occasion de peut-être développer un tout petit peu la réponse laconique que j'ai faite tout à l'heure. Évidemment, si là je lance un objet comme ça, il va faire une parabole. Et donc si on le filme, on ne pourra pas savoir quel est le film à l'endroit et le film à l'envers. Parce que la parabole comme ça, l'objet d'abord il décélère et puis il réaccélère. Donc à l'envers il décélère, il réaccélère. Et donc une trajectoire très simple, comme ça, comme une craie dans le champ gravitationnel, je ne peux pas savoir quand le temps est croissant et quand le temps est décroissant. Donc, c'est complètement invariant par renversement du sens du temps. Alors que si là j'ai une bouteille de gaz colorée et que je débouche la bouteille, le gaz va diffuser dans la pièce. Au bout d'une heure, le gaz aura complètement diffusé dans la pièce sera très légèrement rosée, si le gaz était rouge, et il ne va jamais re-rentrer dans la bouteille. Donc, ce n'est pas invariant par renversement du temps. Donc, en effet, c'est ça que je disais de façon très, très laconique tout à l'heure, c'est qu'il semble que les phénomènes d'irréversibilité apparaissent avec la complexité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, je le dis pour ceux qui ne sont pas physiciens, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une espèce de force magique comme ça qui pousse le gaz vers le complexe, comme si Dieu aimait le chaos. Quoique j'aimerais assez bien l'idée quand même, d'un Dieu qui aime le chaos. Mais ce n'est pas ça. C'est simplement que c'est plus probable. C'est que si je regarde toutes les configurations du système, j'ai très peu de configurations ordonnées, c'est-à-dire avec toutes les molécules dans la bouteille, et j'ai exponentiellement plus de configurations désordonnées avec les molécules qui sont n'importe où dans la pièce. Et donc la raison pour laquelle, quand je rentre dans une pièce où une bouteille a été ouverte, je trouve toujours le gaz diffus et jamais le gaz qui est resté dans la bouteille, c'est pas du tout parce qu'il y a une force spéciale qui agit vers le chaos. C'est simplement parce que, en termes de probabilité, c'est infiniment plus probable. C'est exactement comme si là, je vous demandais quelle est la probabilité qu'on se soit ordonné dans cette pièce, je ne sais pas, de celui qui a eu la plus mauvaise moyenne au bac vers celui qui a eu la meilleure moyenne au bac, ou qu'on soit n'importe comment. Il y a juste beaucoup plus de chances qu'on soit n'importe comment. C'est une question de probabilité. C'est pas parce qu'il n'y a pas une force qui a fait qu'on s'est mis n'importe comment. On a juste beaucoup plus de chances d'être n'importe comment que d'être ordonné. Et c'est ça, finalement, l'irréversibilité de la complexité. Enfin, ça dépend, parce que la vraie complexité, c'est-à-dire les systèmes vivants, c'est justement ce qui va puiser dans cette irréversibilité une source d'entropie négative pour précisément s'y opposer. Donc là, je parlais de la complexité simple, évidemment. Complexité simple, c'est un peu une contradiction dans les termes, mais la complexité des systèmes vivants, c'est précisément ce qui s'oppose à ça. Donc, après, il y a encore le stade supplémentaire. Pardon.
Oui, alors c'est effectivement. Donc la question est dans l'avant-rebond, l'univers se serait contracté, donc ça veut dire qu'au départ, il aurait été immense, etc. En fait, si vous voulez, dans cette vision-là, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus stable et plus simple. C'est-à-dire que l'espace, en fait, a toujours été là. Il n'y a pas, comme dans la vision standard de la cosmologie, apparition de l'espace par une sorte d'effet tunnel quantique. L'espace a toujours été là. Simplement, comme l'espace est, on l'apprend grâce à Einstein, une entité dynamique, eh bien, en fait, l'espace est un peu en mouvement. Pourquoi est-ce qu'il est en mouvement? Parce qu'il n'a aucune raison d'être à l'arrêt. Quand je regarde une planète quelque part dans le système solaire ou une étoile dans la galaxie, elle n'est jamais à l'arrêt. Toutes les étoiles ont un petit mouvement propre par rapport à la galaxie, un mouvement de rotation. Et parfois, les étudiants se demandent, mais pourquoi ça tourne? La seule réponse que je peux donner, c'est, mais pourquoi ça ne tournerait pas? Si je prends une vitesse de rotation au hasard, la probabilité que je trouve exactement zéro est de mesure nulle. Donc, ce n'est pas interdit une planète qui ne tourne pas. Ça ne viole aucune loi de la physique. Mais ça n'a juste aucune chance d'arriver, parce que l'immobilité absolue est improbable. Et donc, dans le modèle cosmologique qu'on propose, en fait, l'espace a juste toujours été là. Mais il a effectivement un petit mouvement propre, parce qu'il n'a aucune raison de pas en avoir. Et ce petit mouvement propre fait qu'à un certain moment, on arrive à une densité gigantesque, au rebond, etc. Et donc, quand je remonte dans le passé, plus je vais dans le passé, plus j'ai un état qui est asymptotiquement stable. Je pense qu'il faut rester modeste, hein, c'est-à-dire que ça serait absolument prématuré de dire aujourd'hui « voilà la vérité sur l'origine de l'univers ». Personne ne croit ça, et certainement pas ceux qui travaillent sur le modèle. Je crois qu'on y va par petites touches successives, et à ce stade, j'ai tendance à penser que c'est plutôt plus cohérent que le Big Bang. Mais après, le champ est encore complètement ouvert. Qui avait-il dans la phase de contraction? Est-ce qu'elle ressemblait, par exemple, à la phase d'expansion actuelle? Il n'y a aucune raison qu'elle ressemble. L'histoire n'est pas la même. Nous sommes la résultante de ce qui s'est passé juste après, soit le Big Bang, soit le Big Bounce, peu importe. Ceci n'a pas eu lieu dans la phase de contraction. Donc le contenu de l'univers pouvait être très différent. On avance doucement. La raison pour laquelle je pense que cette science a du sens, c'est qu'elle est en train de faire le lien avec l'observable. Sinon, ça serait quand même assez creux. Justement, puisque vous parlez de conscience cosmologique, moi, en tant que biologiste, je connais les biais, les couloirs dérivés, les problèmes que je peux pratiquer ou pas, volontairement ou pas, dans ma recherche. C'est pour anticiper, pour ne pas croire que je veux critiquer les physiciens. Mais dites-moi si je me trompe. Dans l'équation d'Einstein-Lemaître, Einstein a rajouté la constante cosmologique de façon arbitraire parce qu'il ne voulait pas que l'univers, les choses dans l'univers bougent. Donc il la rajoute pour dire non, tout est immobile dans l'univers. Lorsqu'on démontre que tout est mobile dans l'univers, ce que les physiciens font, ce n'est pas d'enlever la constante pour réviser l'équation, mais ils disent on la laisse, mais on dit égale à zéro. Et aujourd'hui, elle est réutilisée autrement pour cette énergie noire. Alors qu'est-ce que ça illustre de la pratique des sciences physiques et de la relation par rapport aux équations? Oui, c'est très intéressant. Je pense que c'est un beau problème que vous soulevez là, donc sur l'histoire de la constante cosmologique. Bon, d'abord, moi, comme vous l'avez remarqué, je suis quand même pas très scientiste. Donc le fait qu'il y ait des biais cognitifs et des effets sociologiques dans les sciences dures, y compris en physique, j'en suis absolument persuadé. Donc moi, je vais certainement pas dire non, nous disons une vérité froide et objective. Ça, j'y crois pas une seconde. Voilà, là-dessus, on est d'accord. Ensuite, l'histoire particulière de la constante cosmologique, que vous avez très bien résumée, mais elle est vraiment intéressante, parce qu'en effet, les équations d'Einstein prédisaient un univers en expansion. Et à l'époque, on ne savait pas que l'univers était en expansion. Et en fait, ça montre à quel point même les génies peuvent quand même être, sur certains aspects, cramponnés à leur certitude, parce qu'Einstein n'a même pas pu imaginer, en fait, que ce soit vrai. Donc il ne s'est pas dit, peut-être, que l'univers est en expansion. Il s'est dit, bon, il y a un problème, la théorie donne un univers en expansion, donc il faut la corriger. Et donc, en effet, à l'époque, elle a été introduite de façon assez arbitraire pour corriger et permettre l'univers statique. Et ensuite, quand on a découvert que l'univers était en expansion, donc on connaît la phrase d'Einstein qui a dit que c'était la plus grosse erreur ou boulette de toute sa vie. Et en fait, là, je pense qu'il y a une petite erreur interprétative historique, parce qu'en réalité, ce que Einstein voulait dire, c'est pas du tout que le fait d'avoir mis la constante cosmologique était une erreur. Parce qu'entre-temps, il a compris que cette constante
avait toutes les raisons d'être là. Donc en fait, il était normal de la mettre et légitime de la mettre. Son erreur, c'était pas de l'avoir rajouté a posteriori, c'était d'avoir cru que ça permettait de faire un univers statique. Parce qu'en fait, on peut pas faire un univers statique avec la constante cosmologique parce que c'est instable. On peut pour une valeur hyper fine-tunée, comme on dit, mais il suffit de je bouge la main, donc il y a une perturbation dans l'univers et hop, il va partir forcément en expansion, en contraction. Donc la solution statique qu'il avait trouvée grâce à ça était instable et donc n'était pas viable. Et c'est en ce sens-là qu'il a dit que c'était une erreur. Et en effet, aujourd'hui, elle revient sur le devant de la scène. Alors moi, j'ai dit avec assurance, mais il n'y a pas de problème, mathématiquement, elle est cohérente, parce que le théorème de Lovelock, en fait, nous apprend qu'elle doit être là. Mais moi, je peux juste qu'elle est dans votre sens, en fait. C'est-à-dire que les choses nous paraissent toujours évidentes une fois qu'on les connaît, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que ça fonctionne, on va se convaincre que c'est évidemment ce qu'il fallait faire. Moi, j'ai des collègues qui me disent que le modèle standard de la physique des particules élémentaires, qui est quand même un truc atrocement compliqué, avec un groupe de jauges qui est SU3, quoi, SU2, quoi, U1, qui est quand même hautement complexe, me disent « mais c'est la seule théorie possible. Par la puissance de l'esprit, on peut montrer que c'est la seule théorie possible. » Bah oui. Une fois qu'on sait que c'est celle qui marche, on peut toujours s'en convaincre, mais personne ne l'avait dit a priori. Et je pense qu'avec la gravitation, c'est exactement la même chose, en fait. On tâtonne, quand on aura trouvé quelque chose qui fonctionne, on se convaincra que ça ne pouvait être que ça, mais soyons honnêtes, à l'heure actuelle, oui, bien sûr, on n'est pas du tout en situation de le dire de façon claire. Donc la question est intéressante, c'est sur le lien entre le caractère ontologique, donc lié vraiment aux propriétés essentielles des corps de la masse, et la vision champ de Higgs, où en fait la masse est une propriété émergente venant de l'interaction avec le champ scalaire. Bon, c'est une question lourde. Alors d'abord, peut-être qu'il faut dire plusieurs choses. La première, c'est que la version grand public, le boson de Higgs et l'origine de la masse, est quand même assez largement fausse, puisque sur la masse de mon corps, il y en a à peu près 1 à 1,5% qui est vraiment lié au boson de Higgs. 98% de la masse de mon corps, c'est de l'énergie de liaison QCD, qui n'a rien à voir avec le champ de Higgs. Donc voilà, je pense que c'est déjà un peu caricatural d'associer la masse au champ de Higgs. Finalement, c'est plutôt un effet à la marge. Ensuite, là, hélas, on est obligé de revenir un peu à une vision pré-einsteinienne, c'est-à-dire de distinguer la masse inertielle et la masse gravitationnelle. La masse, quand même, qui est expliquée par le boson de Higgs, c'est vraiment la masse inertielle. C'est pas la masse gravitationnelle. Donc c'est un peu... Alors, évidemment, en relativité, la distinction entre les deux s'efface. Sauf que le boson de Higgs, c'est pas dans le cadre de la relativité générale. C'est dans le cadre de la théorie quantique des champs que je le découvre et que je le construis et que je le comprends. Et donc, c'est pas forcément facile de l'importer. Et puis, le troisième point que je dirais, c'est que je pense pas que ce soit incompatible avec une ontologie profonde. C'est-à-dire qu'on pourrait bien considérer qu'une propriété ontologique du corps est sa manière d'interagir avec un champ scalaire ou autre chose. Donc le fait que ce soit éventuellement résultant d'une interaction ne me semble pas être absolument incompatible avec une propriété fondamentale, puisque la propriété fondamentale pourrait être dans la forme de cette interaction. Mais je pense que c'est une question très intéressante. Oui, mais c'est pas vrai. Enfin, tout n'a aucune raison d'être intriqué. Il y a beaucoup d'états quantiques qui ne sont pas intriqués. La plupart des états quantiques ne sont pas intriqués. Très faiblement intriqué. Ah, donc, pas forcément. La plupart des états physiques sont non intriqués. Et quand bien même ça aurait été le cas, en quoi est-ce paradoxal en fait? Oui. Forcément, pas forcément, non. Non. Alors, mais ce que vous dites est quand même très intéressant, parce qu'en effet, donc la question c'était le lien entre l'intrication et puis l'évolution cosmologique, disons. Parce qu'en effet, c'est une question qu'on s'est posée. Qui est de dire, un des grands paradoxes de la cosmologie, c'était comment se fait-il que des zones qui paraissent très loin dans le ciel sont miraculeusement dans le même état? Et évidemment, la première réponse qu'on avait envie de donner, c'est de dire, oui, mais elles sont très loin, mais si c'est un état intriqué, peut-être qu'en fait, c'est pour ça qu'elles sont dans le même état. Et ça, c'est sûr que ça ne marche pas. On ne peut pas expliquer l'homogénéité du ciel uniquement par un phénomène d'intrication, hélas. Ça serait simple, mais... Oui, alors c'est très intéressant, ça. Donc la question est liée aux critères de Popper, au pluriréalisme, à la falsification, etc. Donc, bon, alors je vais faire la version courte, parce que j'aimerais bien en parler très longtemps. Donc le critère de Popper, je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers, consiste à dire, on ne peut pas prouver qu'une théorie est juste. D'accord, ça c'est sûr, puisque pour ça, il faudrait faire une infinité d'expériences et faire chaque expérience avec une précision infinie. Donc là, Popper a raison. Il dit, on ne peut pas prouver qu'une théorie est juste, en revanche, on peut prouver qu'elle est fausse. Parce que si effectivement ma théorie me dit, je reprends son exemple, que tous les signes sont blancs, je ne parle pas des signes au sens sémiologique, mais au sens ornithologique, hein, les oiseaux. La théorie me dit que tous les signes sont blancs et que je trouve un seul signe noir,
Ben, ça veut dire que la théorie est fausse. Donc en première approximation, c'est assez raisonnable comme vision. Donc c'est évidemment, hein, je ne vais pas me permettre de dire que Popper est un abruti. Bien sûr, ça a du sens. Le problème de ça, c'est qu'on fait comme si quand une théorie était falsifiée, il fallait l'abandonner. Mais en ce sens-là, toutes les théories sont falsifiées. Elles sont déjà falsifiées. Toutes les théories qu'on connaît ont des problèmes. Et ça ne fonctionne jamais comme ça. Par exemple, je prends la meilleure théorie quand même qu'on a en physique, qui est la relativité générale, qui est d'une beauté inouïe, qui est vérifiée avec une précision mais incroyable dans le système binaire de pulsars, avec les ondes gravitationnelles. Enfin, elle marche parfaitement. Oui, enfin, sauf qu'elle n'explique pas les courbes de rotation des galaxies, par exemple. Et qu'est-ce qu'on a fait? On ne s'est pas dit la relativité générale est fausse. On s'est dit il y a de la matière noire. Donc concrètement, quand une théorie ne marche pas, ça n'arrive jamais ce cas. On a une bonne théorie, il y a une prédiction qui l'infirme, donc la théorie est abandonnée. Ça n'a jamais marché comme ça dans l'histoire des sciences. Tu ne peux pas savoir pourquoi elle ne marche pas. C'est peut-être parce qu'il y a un élément de réel que tu as négligé, c'est peut-être parce que tu es hors des conditions d'application, c'est peut-être parce qu'il y a des choses invisibles qui sont bel et bien présentes, mais que tu as oublié d'intégrer dans le terme source de la théorie. Donc la vision popperienne, elle est naïve au point d'être absolument inopérante. Si par exemple on évaluait le darwinisme à l'aune de la vision popperienne, et ça a été fait, bien que Darwin soit bien évidemment antérieur à Popper, on se dirait que c'est une théorie qui est totalement non scientifique. Elle parle du passé, moi je peux voir que le présent et le futur. Et on sait très bien aujourd'hui qu'on a une infinité de corroborations, on va dire, pas de preuves, mais de corroborations, évidemment, de la théorie de l'évolution. D'ailleurs, les créationnistes ne se privent pas de le dire, que ça ne marche pas pour cette raison. Et c'est un très mauvais argument, bien sûr, je suis très critique, comme tout le monde, sur le créationnisme. Et ce n'est pas... on ne peut pas préjuger de la valeur d'une qualité, de la qualité pardon, d'une théorie sur sa facilité à être falsifiée. Je pense que si on raisonne comme ça, en fait, toutes les grandes avancées épistémologiques auraient été interdites a priori pour leur très faible capacité à être falsifiée. Voilà. Après, pluriréalisme, évidemment, c'est un terme un peu dangereux. Si tu veux, pour le dire en deux phrases et être rapide, moi, je vois deux écueils en ce moment. Il y a un écueil terrible qui est l'écueil américain, post-vérité, on dit n'importe quoi et puis on le dit avec beaucoup d'assurance et on se fait élire et on devient président des États-Unis. Bon, ça évidemment c'est très embêtant et je suis évidemment solidaire des scientifiques et en particulier des climatologues qui vont dire à M. Trump arrêtez de dire n'importe quoi, vous êtes en train de mentir et notre devoir est de rétablir la vérité. Donc par rapport à un imposteur dangereux, bien sûr, il y a une exigence de vérité qui doit être assez non équivoque. Ça, c'est les cas simples. C'est les gens qui te disent que la Terre est plate, c'est les cas faciles, ça. Là, bien sûr, on peut être zététicien et dire « attention, vous avez une méthodologie intellectuelle qui ne fonctionne pas et vous avez tort ». Mais les cas subtils, c'est pas ça. C'est typiquement le multivers. Là, c'est un cas subtil. Bien sûr, ça joue un peu avec les linéaments de la physique. Pour autant, c'est pas n'importe quoi, mais c'est pas exactement usuel. Et dans ces cas-là, si on prend une vision trop rigide, de type fact-checking, alors on rate complètement toute possibilité de révolution épistémologique. Parce que quand on dit « moi je veux être hyper rigoureux, les faits rien que les faits », mais le problème de ça, c'est que même les faits sont toujours dépendants d'une interprétation. Par exemple, on va dire « l'interprétation c'est la théorie, les faits bah, c'est ce qui existe ». Mais même ça, c'est naïf, parce que l'expansion de l'univers, on va le classer dans les faits, et on va dire la théorie, c'est la loi d'Einstein. Mais ce n'est pas vrai. L'expansion de l'univers, elle dépend du système de coordonnées. Ce n'est pas un fait. C'est un fait modulo un système de coordonnées qu'on a choisi. Donc c'est un fait modulo quand même un cadre de référence. Alors évidemment, quand on dit la Terre est plate, c'est tellement stupide que là, on peut dire, oui, il y a un fait, la Terre est ronde, et il y a une théorie, c'est la, je sais pas, la géophysique qui explique pourquoi elle est ronde. Oui, là, c'est facile. Mais les cas faciles, ce n'est pas les cas intéressants. Les cas intéressants, c'est les cas limites, et dans les cas limites, je pense que trop de rigidité épistémologique est aussi nuisible que trop de laxisme épistémologique. C'est mon avis.